Alors c'est Solidaire d'abord, vous êtes bien sur Fréquence 7 et Fréquence 7 nous permet de faire cette émission où on essaye à chaque fois d'être avec un autre regard sur l'actualité que, voilà, pas pareil, hein, on n'est pas pareil, voilà, sur Fréquence 7, Solidaire d'abord. Donc aujourd'hui, on a un invité de marque, pour moi c'est un invité de marque, on a Hervé qui est venu nous parler du MRAP. Donc on va parler forcément de tout ce qui a trait aux gens issus de l'immigration, venus de l'immigration, bienvenus de l'immigration. Peut-être que ce serait bien de le dire une fois comme ça, bienvenus de l'immigration, je sais pas. Oui, alors tout d'abord, merci pour l'élogieuse présentation. Je ne suis qu'un humble militant bénévole qui consacre effectivement beaucoup de son temps à des causes qui lui paraissent et qui sont de toute façon très très justes. Donc on est venu pour parler un petit peu de l'actualité, donc je sais qu'il y a quelques questions qui m'attendent. Il y a des chiffres qui tombent, il y a des informations, il y a des combats locaux qui se mènent. Entre autres, il y en aura un très très important, et je commence par ça, parce qu'il ne faut pas l'oublier, même si l'émission ne sera diffusée qu'après. Donc on fédère un rassemblement demain, justement, dans le cadre de la Journée internationale des migrants. Et on est très fiers de coordonner un événement de rencontre demain. Demain samedi. Voilà, demain samedi. Samedi 19. Tu parles de demain samedi, pas, voilà. Parce que l'émission, en fait, sera diffusée que lundi. Donc on sera deux jours après quand vous entendez l'émission. Voilà. Bonjour à vous lundi. Voilà, mais vous en aurez des échos par tous les médias qui voudront bien les relayer. Alors, la première question que je voulais te poser, c'était par rapport aux chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. Hein, parce que, en fait, j'ai entendu ce matin, moi, je me suis fait rebattre les oreilles par ça, les déplacés à cause des guerres, le chiffre a doublé depuis 2016. Évidemment, il va y avoir plein de gens qui vont dire oulala, ça y est, on va se retrouver avec un chiffre d'émigrés qui vont être aux frontières qui va doubler. Alors j'ai effectivement pris connaissance ce matin aussi de ces chiffres, alors je ne les ai pas retenus précisément. Une hausse importante, exponentielle quand même depuis de nombreuses décennies, qui s'explique essentiellement par les constats, par ce qu'on dit, par ce qui est vécu. Le nombre de conflits armés ne diminue pas et loin s'en faut, ce qui est quand même la première des causes que les personnes se réfugient. Réfugiés de guerre, hein, là on parle. Hein. Voilà, oui. Alors il y a bien sûr, et c'est loin d'être résorbé, et c'est tout ce qui est souci donc, de l'impact du réchauffement climatique qui entraîne inondations, famines, enfin c'est pas en voie de résorption. Ce qui est quand même utile et pour rompre le coup à cette idée reçue de dire « Ah oui, mais on n'y arrivera jamais, on va jamais tous les accueillir en France, en Europe. » Ce qu'il faut savoir, et ça c'est une constante qui se vérifie à tout instant, c'est que le malheur des réfugiés, ils ne se réfugient pas par plaisir. Et généralement, quand ils se réfugient, ben, c'est dans les pays limitrophes. Donc ça va pas avoir un impact absolu sur le continent européen qui par ailleurs, et on le déplore, a fermé complètement ses frontières. Voilà, ça va. Oui, les chiffres sont pas eux exponentiels du tout dans le sens de la montée du nombre de réfugiés. Par contre, c'est inquiétant effectivement de voir que les systèmes économiques et politiques qui sont en place sur la planète n'ont pas pris en compte ce souci majeur
Et cette misère qui s'accentue, ben on en est bien évidemment triste, et on va continuer à la combattre, faire en sorte qu'il y ait un monde d'après qui prenne en compte véritablement cette exigence démocratique et qui œuvre vers des solutions qui en sont d'autres que le colonialisme qui perdure et le capitalisme à outrance qui génère en fait toutes ces situations. Avant qu'on parle du local, puisqu'on va parler du local, il y a une chose évidente quand même, c'est on est dans une pandémie de Covid, hein, on nous explique, et y a la moitié de l'humanité qui n'est pas soignée, évidemment ça aura un impact sur l'autre moitié de l'humanité. Hein, donc il faudrait peut-être à un moment donné se poser la question comme il faut. Donc que des gens soient malades et pas soignés, ça arrangera jamais les petits papiers de tout le monde. Exactement. Et là, d'ailleurs, ça rejoint une de nos préoccupations et un des combats qu'on mène localement, parmi tant d'autres. C'est cette remise en cause récurrente du droit à la santé pour tous sur le territoire. Il y a une trentaine d'années, il avait été obtenu qu'il y ait une couverture obligatoire minimale, donc l'aide médicale d'État, qui permette l'accès aux soins à toute personne résidant sur le territoire, qu'elle soit en situation régulière ou pas. Aujourd'hui, il y a des attaques frontales pour que ce droit soit remis en cause. Et comme tu le disais très très bien, c'est vraiment des économies de bout de chandelle, puisque des personnes qui ne se soignent pas sont source de pandémie avec des conséquences mille fois plus tragiques. Donc là aussi, c'est sur un budget qui n'excède même pas 1% du budget global de la sécurité sociale qui peut protéger efficacement et puis qui répond à des actes de solidarité. Le devoir qui se concrétise, et c'est aussi pour ça qu'on se mobilise dans le cadre d'une journée internationale des réfugiés, c'est que la planète, à travers ses instances, a décrété que les réfugiés avaient des droits. Donc nous, on est là pour les faire respecter. Mais en plus, bon, là tu rappelles les chiffres en disant ça représente 1% de la sécurité sociale. Évidemment, tu as plein de gens qui vont te faire des fake news en te disant que ça représente beaucoup plus que ça, que c'est un scandale, qu'on vide les caisses pour arriver à... Voilà. Ce qui est totalement faux, et on est prêt à ouvrir le débat, même chiffres à l'appui, mais... Allez, revenons aux choses sérieuses. Au local, alors, oui. Qu'est-ce qui se passe au local ? Il se passe plein de choses. Je vais quand même revenir sur des chiffres, parce que c'est quand même quelque chose qui nous agace très très fortement, et plus que ça, c'est de voir effectivement apparaître, comme tu dis, ces fake news, et ça va bien au-delà, puisque aujourd'hui, même dans le cadre de la campagne électorale actuelle, on a vu apparaître, non pas sur des tracts, mais sur des professions de foi, des chiffres complètement hallucinants, qui ne sortent de nulle part, et qui retracent des propos racistes, diffamatoires, xénophobes, mensongers. Donc, on a décidé, en lien avec toute la fédération du MRAP en France, de contre-attaquer, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Quand on nous dit que, par exemple, le coût d'un jeune mineur étranger excède les 40 000 euros par an, c'est un chiffre qui est venu de nulle part, donc qui est complètement faux. Donc notre décision est effectivement de faire un signalement auprès du procureur de la République, parce que même sur le terrain juridique, on ne lâche rien. D'accord. Denis, tu avais des questions là, sur le local ? Oui, sur le local, oui. Il y a eu quand même quelques victoires. Certains ont été... Oui, alors je ne vais pas faire une liste exhaustive. Heureusement qu'il y a des victoires. Voilà, donc pour les personnes qui ont suivi l'actualité sur le bassin d'Aubenas, effectivement, on a pu se réjouir il y a quelques semaines de ça, d'un succès. Donc pour une famille algérienne, une maman algérienne avec ses 3 enfants, qui a pu être régularisée, avant même d'ailleurs que le recours juridique ait pu être examiné. Donc c'est
C'était une grande satisfaction pour nous, parce qu'on accompagne cette famille depuis 5 ans. On a contribué à la mobilisation. Il y a eu un rassemblement, une pétition. Il y a eu, son dossier juridique était aussi entendable. Quand la victoire s'obtient avant le juge, on en est encore, bien évidemment, mille fois plus satisfait. C'est ce qu'on aimerait réaliser, c'est ce qu'on aurait aimé réaliser aussi pour un jeune Malien qui était, lui, détenteur d'un titre de séjour, qu'on n'a pas voulu renouveler parce que la préfecture, enfin l'ancienne préfète, pour ne pas la citer, avait décidé que dans la mesure où le titre de séjour qu'il détenait, vie privée, vie familiale, mais avec la mention « étranger malade », ne pouvait pas être renouvelé puisqu'il n'était plus malade. Là, tu parles d'Amidou. Là. Je parle d'Amidou. Donc là, dont on n'a pas pu obtenir que la régularisation, ou tout au moins pour que qu'une nouvelle carte de séjour lui soit attribuée. Donc là, on en arrive au stade donc, de l'audience devant le tribunal administratif. Ah, bah parce qu'il y a eu une mobilisation. Excuse-moi, il y a eu une mobilisation il y a 6 mois. Une mobilisation aussi. Il y a aussi le recueil, donc il a vraiment un dossier hyper solide. Enfin, dans le domaine de l'injustice, on ne peut pas graduer, mais pour les personnes qui le connaissent et qui vont le soutenir et qui le soutiendront, y compris le jour de l'audience, c'est quelqu'un qui a toute sa place ici. Il n'y a pas plus ardéchois que lui. Enfin, c'est ce que j'avais écrit, c'est ce que j'avais dit. Et toutes les motivations contenues dans l'obligation à quitter le territoire français sont toutes démontées les unes après les autres. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment notre symbole, et j'espère que ce sera le symbole d'une des plus belles victoires de l'année, parce qu'il le mérite. Donc il avait reçu une OQTF, hein, donc une obligation de quitter le territoire, hein, c'est ça. Et donc là, le jugement, il a lieu quand? Alors le jugement, donc l'audience a lieu le 25 juin, donc dans une semaine maintenant, ouais. Jour pour jour. Enfin, vous enlevez 2 jours, parce que c'est... Ouais, oui. Et donc, ce sera porté en délibéré. On aura le résultat dans les 3-4 semaines qui suivent l'audience. D'accord. Parce que les enfants mineurs qui rentrent en France, tant qu'ils sont mineurs, ça va. Le jour de leurs 18 ans, le problème commence. Exactement. Alors là-dessus, on va rester dans des tonalités positives. Puisqu'il s'avère qu'il y avait une politique très, très ignoble menée par l'ancienne préfète qui faisait en sorte qu'elle rejetait de manière presque systématique, pour ne pas dire systématique, toutes les demandes de ces jeunes mineurs, puisque à l'âge de 18 ans, pour pouvoir se maintenir sur le territoire, il faut qu'il fasse une demande de premier titre de séjour. Donc, les jeunes mineurs, là aussi, pour vous dire qu'on n'est pas envahi. Alors, je n'ai pas les chiffres précis sur l'ensemble du territoire de l'Ardèche, mais c'est environ une centaine de jeunes qui sont sous le statut de protection lié à leur minorité. Donc là, il s'avère qu'il y avait refus presque systématique. Alors, heureusement, il y a aussi des leviers juridiques. Donc il s'avère, on est loin de suivre tous les dossiers, on en suit beaucoup sur le territoire sud-Ardèche. Il s'avère que 90% des recours qu'on a posés ont été gagnants. Ça veut dire qu'effectivement, ça démontre que devant le juge... Les arguments, les motivations développées par les OQTF rédigées par les préfets n'ont pas de sens. Ça démontre aussi toute la valeur de ces jeunes. De ces jeunes donc, qui sont en France depuis 2, 3 ou 4 ans, qui ont fait leur parcours ici, qui ont démontré toute leur valeur, tout leur courage. Ils sont tous scolarisés. Certains font des études même brillantes, malgré tout le parcours. Donc là, on a noté de belles victoires juridiques. On a aussi noté, depuis ces 2-3 derniers mois, que l'instruction des premières demandes donnait lieu maintenant, du premier coup, à un titre de séjour. Et ça nous réconforte. On est bien conscient que ce n'est pas forcément
une politique choisie, mais entre l'enclume du juge qui va contredire de manière presque systématique maintenant les décisions du préfet et peut-être une meilleure prise en compte humanitaire, on est satisfait qu'avec le levier de la justice, à laquelle on croit encore, mais même si on ne gagne pas à tous les coups, mais que c'est aussi notre marque de fabrique ici. Alors moi j'avais une question un peu particulière, parce qu'en fait il y a très longtemps de ça, j'ai bossé au ramassage de fruits dans une région un petit peu plus sud qu'ici, et j'avais été embauché par un patron pour ramasser les fruits et tout ça. Alors vu que j'avais la peau blanche, parce que ça marchait comme ça, je conduisais le tracteur, même si je savais pas conduire le tracteur plus que quiconque, mais bon, voilà, je conduisais le tracteur. Et il y avait une quinzaine de Marocains qui étaient employés chez le gars en question. Et en fait, il t'expliquait que c'était simple. S'il employait les Marocains, c'est parce qu'il les payait moins, quoi. Hein, donc voilà. Alors, je sais pas par rapport à la légalité exactement ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, comment ça marchait exactement. Mais bon, en même temps, les 15 personnes en question étaient entassées dans un espèce de dortoir qui était double avec 8 d'un côté, 7 de l'autre. Normalement, c'était 16, il n'en avait que 15 cette année-là. Hein. Et c'était les 8 entassés étaient à peu près dans une pièce comme ici, comme le studio, c'est-à-dire vraiment pas très grand pour 8 personnes qui doivent vivre à la journée. Et ils avaient une douche, et quand ils prenaient la douche, il fallait qu'ils payent. Parce que tu comprends quand même, ils étaient sales ces gens, tu vois. Alors moi je trouvais ça absolument terrible, la façon dont c'était raconté. Et le mec expliquait que lui, il était au RN quand même. Tu vois, enfin, à l'époque, c'était le FN. Voilà. Et donc, alors, il payait pas les gens. Il était au FN en disant ça, à l'étranger, quand même. Voilà. Et il cochait toutes les cases de la bêtise, quelque part. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on puisse discuter un petit peu de ça, quand même. C'est-à-dire que, effectivement, il va y avoir des gens qui vont dire, oui, mais les étrangers, quand ils viennent, tu comprends, ils tirent les salaires vers le bas. Alors, par rapport à ça, je suis sûr que tu as plein de réponses. Oui, alors, c'est ce qu'on appelle le statut, pour ceux qui ont le statut, parce qu'on développerait un petit peu plus après. Donc, c'est le statut de travailleur étranger saisonnier. Donc, généralement, les saisons, c'est 6 mois. Et là, c'est déclenché par le fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en France. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais vu le taux de chômage, comment est-ce que c'est possible? Il y a une pénurie de main-d'œuvre sur un certain nombre de métiers. Je ne suis pas seul à le dire. Le gouvernement le dit très régulièrement. D'où la mise en manœuvre de ce statut pour permettre des renforts étrangers. Donc ça, c'est le statut officiel. Après, bien effectivement... le fait qu'ils soient étrangers, bon, vont être soumis à des salaires les plus bas possibles, à des conditions de travail, parce qu'il y a quand même des employeurs qui sont honnêtes, hein, et qui vont pas faire ce distinguo, même si ce que tu nous révèles évoque malheureusement, et on le sait très bien, il y a une surexploitation humaine. Ça, c'est les conditions encore les plus... les moins mauvaises. Après, on sait pertinemment qu'avec le nombre de sans-papiers qui ne fait qu'augmenter tous les ans, de par le fait que la politique migratoire étant devenue de plus en plus stricte, je pense particulièrement aux milliers de demandeurs d'asile qui sont déboutés, qui reviendront jamais dans leur pays d'origine. Comment exiger qu'un Afghan, qu'un Soudanais, qu'un Érythréen, qu'un Guinéen retourne de plein gré dans un pays qu'il a fui? Il a pas fui par hasard. Il a fui parce que c'était la mort. Bon, là, je digresse un peu. Oui, donc il y a effectivement une exploitation aussi des clandestins. Enfin, pas seulement dans ce domaine-là, mais régulièrement, ça défraie la chronique,
les sans-papiers qui se mobilisent parce qu'ils sont exploités. Et hautement, y compris par les filiales de grandes entreprises. Il me semble que, justement, le raisonnement, il est quand même sacrément à courte vue, parce que, en fait, c'est pas l'émigré qui arrive et qui fait que ça tire le salaire vers le bas. C'est la proposition avant du marché. Puisqu'on est régi par le marché, c'est quand même une catastrophe. Au lieu d'être un pays où les services publics, où l'État continue à fonctionner. Et donc, le marché, la donne du marché fait que, à un moment donné, on crée des postes, et ces postes, la plupart des gentils Français ne les veulent pas, parce que c'est des conditions de travail absolument terribles et des salaires catastrophiques. Donc après, on se retrouve avec des immigrés et on dit ils sont venus nous voler le pain. Voilà. Mais oui, mais le raisonnement, tu viens de le faire, donc je ne vais pas le démontrer plus que ça. C'est un système pernicieux qui et qui, à l'échelle d'autres pays, je vois, on a beaucoup d'exemples sur ce qui se passe en Italie en particulier, où ils ont un besoin énorme de travail saisonnier. Mais pour que ça coûte encore moins cher, en fait, ils vont utiliser les réfugiés qui arrivent très nombreux en Italie, c'est vrai, mais sans même souvent les payer. C'est une exploitation de la misère, oui, effectivement. C'est un constat. Et je pense que les politiques qui sont menées à travers le monde ne répondent pas de manière efficace. Si on veut qu'il y ait moins de réfugiés, il faut être en capacité d'agir véritablement sur les systèmes locaux qui génèrent cette situation de misère, de guerre et... Il y a une société qui s'est fait quand même épingler là, pour les saisonniers, parce que c'est les saisonniers à l'année. Donc c'est au même moment, et c'était international, hein, c'était pas qu'en France, il y avait l'Espagne aussi, et ils se sont fait épingler, et là ils vont passer en procès. Ouais. Parce que oui, mais c'est très long, hein, les enquêtes sont très longues, parce que tout le monde se tait, et c'est le merta. Ah mais ce que je peux dire aussi là-dessus, c'est que le risque de se faire épingler est quand même relativement faible. Donc il y a quand même des entreprises, et pas des moindres, qui jouent complètement avec ça, complètement. Oui, elles profitent du système et elles le tournent à leur faveur. Et d'un travail saisonnier de 6 mois, ça devient un travail saisonnier à l'année. Donc au bout d'un moment, quand même, je ne sais pas si le fisc ou les douanes ou les impôts, ou je ne sais pas quoi, qui sait qui s'en est aperçu, mais bon, ils s'en fait prendre. Là, ça passait en justice. Oui. Ben c'est très bien qu'il soit se prendre. Oui, mais enfin bon... Mais ça ne suffit pas, je voilà. pense que... Mais exactement, les... il ne faut pas se faire d'illusion. Quand vous achetez des légumes espagnols, on va dire, pas cher, oui, il ne faut pas rêver. Les fraises à 2 euros le kilo, il y a bien quelqu'un qui au milieu, il trinquait. Donc le consommateur, pour lui, il ne regarde pas, il achète. Et le souci, il n'est pas là de savoir pourquoi c'est pas cher. Pourquoi en France les produits sont plus chers? Parce que voilà. Donc le consommateur est aussi responsable de ce travail-là, masqué, dissimulé et esclavagiste. Complètement. Mais écoute, ce sera peut-être une conclusion. C'est qu'on a tous à portée de main les leviers, les possibilités de faire évoluer un monde solidaire, humain. Et le MRAP y croit. Et c'est aussi ce qui forge nos convictions, ces rencontres. Nul n'est étranger sur cette planète. Et le consommer local, comme en ce moment c'est bio et local, comme c'est la mode, ça contribue à éviter ce genre de système qui fait qu'on exploite, l'homme exploite l'homme. On va pas conclure tout de suite parce qu'on a encore une toute petite minute. On peut parler du FMI quand même, parce que c'est-à-dire qu'on nous explique qu'on a des instances qui normalement équilibrent un petit peu tout le système à travers la planète pour aider les pays en voie de développement. Alors ça fait quand même un sacré moment que ça dure et il y a rien qui change quand même. Et non. Alors dans les actualités telles qu'on peut concevoir avec le drame, un des drames. Les pires de la période, c'est ce qui se passe au Tigré, où effectivement le FMI reconnaît qu'il ne peut pas pourvoir
à nourrir les centaines de milliers de réfugiés. Tout à fait. Il y a les rebelles, enfin les rebelles. Disons que l'opposition ferme les frontières et arrête les convois humanitaires. Donc. Oui, mais on, comme, voilà. Comme chaque fois, c'est très compliqué. Les nations ne se sont pas dotées des moyens de faire valoir ce droit à vivre. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Denis. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt dans les mobilisations.